pouvez vous remettre à votre place. Vous êtes là. Donc pensez au... D'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas super, je trouve, c'est le... Vraiment, c'est rapide le deuxième. Tu vois, il n'y a pas assez de différence sur ce que vous faites tous les deux. Donc le premier... Le deuxième... Vraiment rapide. Ouais, mais pourquoi tu joues plus fort? Voilà, ça c'était bien. Premier, je pense jouer assez fort. Voilà. Ok, on y va. Position chanteur. Les bras longs du corps. Silence. C'est moins facile que quand on est les uns contre les autres, mais on va y arriver, je pense. Et là, c'est bon. Ok ? Vous êtes prêts, les gars ? Oui. Vous savez à quel moment on reprend ? On reprend ici. Quand je vous fais signe, vous commencez à chanter quand vous voulez, mais pas sur mon signe. Après mon signe, vous commencez. D'accord ? Les oiseaux,
On répète, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tous les jeux d'abord. Bonjour. On refait ça. Thank you.
alors on va essayer de trouver des plantes parle qui veut, voilà. Alors, pour nous, les Ezoés, au début, c'était des sirènes. Oui. Maintenant qu'on n'a pas fait beaucoup de cours, quand même pas énormément, mais on a quand même bien travaillé. Vous avez fait combien de séances? Et alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez commencé? Déjà, Amandine, comme moi dans ma classe l'année dernière en CM1, on l'avait déjà vu. On avait déjà fait des cours de musique ensemble un petit peu, oui. Et puis là, on s'est retrouvés, puis on a commencé à passer au projet Les Ezoés. Mais déjà, la première fois, on faisait des bruits quoi, pour s'échauffer. Oui, on a travaillé la voix. Mais quoi d'autre? Par rapport à cette partition, justement, ce qu'on a cherché. Dans la dernière chanson, quand elles disent qu'elles battent, elles coupent, on avait pensé qu'elles battaient, qu'elles coupaient nos paroles ou des cartes. Et alors? Vous avez choisi quoi? On ne sait pas, en fait, chacun imaginait ce qu'il voulait sur... sur les sirènes, et puis au fur et à mesure, on disait toutes nos idées. Alors, approche-toi parce que t'es trop loin, je vais pas t'entendre là. Viens plus près. Et aussi, quand on criait Zoé, on pensait qu'elle était dans la mer et qu'on l'avait vue. Oui, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'au tout début, on a imaginé qu'on était sur une plage et qu'on scrutait l'horizon. Qu'est-ce qui veut bien expliquer ça? On avait aussi imaginé une mise en scène. Hein. Alors, au début, on avait imaginé qu'on cherchait les Ezoés, qu'on scrutait l'horizon pour voir si elles sortaient de l'eau. Puis quand elles sortaient, on voyait des vagues. Après, quand elles sortaient, on les imitait, on les appelait aussi. Et alors, de penser à tout cela, ça t'aidait pour chanter? Ça vous aidait pour... Oui. On s'imaginait ce qui se passait dans notre tête. D'autres idées, d'autres moments? Oui, mais alors tu t'approches, s'il te plaît. Viens devant, parce que sinon je vais pas pouvoir te prendre. Quand les phonolites, on tapait dessus et on tirait en haut, c'était pour montrer que les Ezoés sortaient de l'eau. Se montrer plutôt. Et Jackie et Barnabé, c'est à ça que vous pensiez quand vous le faisiez? Moi je pensais qu'ils sortaient, que c'était le phonolite en fait. Et tu voyais sortir Zoé ou tu voyais sortir Lise? Et toi Jackie? Moi j'ai pensé la même chose, mais j'ai pensé que Lise qui sortait. Tu pensais que? Que Lise qui sortait de l'eau. Ah oui, toi t'avais laissé de côté Zoé. Tu l'as laissée au fond de la mer. Elle était bien, elle avait qu'à s'en sortir toute seule. D'autres idées? Viens plus près, oui, parce que sinon, tu sais, c'est une petite caméra, c'est pas... C'est pas quand on avait les coquillages. Il y avait différentes façons de soit les frotter, soit les taper, soit avec des mini coquillages, les secouer. Et ça fait penser aux petits coquillages quand la mer, elle les prend.
C'est-à-dire qu'avec les Zoé, vous avez été pratiquement tout le temps au bord de mer ou dans l'eau, au fond de l'eau. Comme on est sur la plage pour les chercher, on entend le bruit de l'eau, on entend le bruit des coquillages sur le sable et tout ça. Vous n'étiez pas tellement à la fierté finalement. Non. Aussi, quand on faisait les mouvements, cela, comme ça et tout, cela, en fait, ça imite les sirènes qui sortent, ensuite qui replongent, qui touchent le fond de l'océan et qui remontent. Ah. Ça nous aidait pour les intonations. Pour le rythme. Ça t'aidait pourquoi donc? Pour quand on devait rythmer en aigu ou en grave, on se faisait les images comme ça. Tu peux montrer comment ça fonctionnait là? C'est-à-dire, tu peux le faire là, parce que expliquer comme ça mais sans le voir, bah vas-y. On entend quoi? Oui. Lisez Zoé. Lisez Zoé, 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 lisez Zoé. C'est pour expliquer pourquoi on a fait des à-coups pendant qu'on était debout, c'est-à-dire. Quand on était comme ça, lisez Zoé, lisez Zoé, lisez Zoé. C'était bien pour marquer le et le Zoé qu'on faisait pour bien se repérer dans la voix et dans le geste pour la sorte de chorégraphie. Autres idées, autres. Il y a d'autres gestes que vous avez faits? Oui. Attends, approche-toi un petit peu si tu peux, parce que je ne vais pas t'entendre, surtout que tu penses, garde ton idée, tu la diras après. Attends. Vas-y, Manu. Sors ta voix. Pour les différentes voix aussi, par exemple, comme l'aigu, on met la main ici, mais derrière ici, et grave en bas, quand on chante. Et tu peux nous montrer comment ça fait? Si il y en a qui chantent aigu, ils font ça. Le médium, le milieu est grave en bas. C'était la même chose. Au début, là, on ne l'a pas fait, mais au début, la première position, on avait décidé que les aigus, ils se mettraient comme ça, les médiums comme ça, et puis les graves. Ils se mettraient à genoux. En fait, ceux qui scrutaient. Explique un petit peu sur la plage, où on est là, on scrute les maisons et on scrutait. Et puis en même temps, ça nous aidait à savoir si on était aigu, médium ou grave. Jouvency, il est là, Jouvency? Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans la. Ce qui m'a étonné, c'est que. Tout le monde est lourd. Quand tu chantes, ça résonne de partout et ça fait super bien d'entendre que ta voix résonne dans toute la salle. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Tu n'avais jamais fait cette expérience? Non. Vous voyez ce qu'il veut dire, Jouvency? Ouais. Et toi, Laura? Lola. Et ça t'a aidé pour le chant ou au contraire ça t'a fait chanter différemment? Oui, et quand il chantait, ça. J'ai remarqué un truc, c'est quand il faisait Élise et Zoé. Non, c'est quand il faisait qui s'appelle Élise et Zoé, bah, il faisait.
qui s'appelle Lisez Zoé. Qui s'appelle Lisez Zoé. Voilà, j'arrive pas à le faire. Ça. C'était un peu différent de toi, cette. Oui, c'était beaucoup différent. Beaucoup différent. Moi, j'avais l'impression que Juvency l'appelait Lola et que Lola lui répondait comme les phonolites au début, il disait qu'il était en fait qu'on n'était pas le seul. Ah, voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'était le prolongement du dialogue qu'il y avait entre Barnabé et Jackie, c'est ça? Il le faisait avec la voix, en fait. C'était marrant parce que Juvency, quand on entendait blanc, donc ça faisait un peu grave, et Lola un peu aiguë. Oui, surtout Juvency, quand il a fait des essais, je l'ai retrouvé un peu plus long que Lola, et puis au fond, il ne faisait pas de temps, vu que c'est l'écho. C'est-à-dire, si je comprends bien, la place qu'il avait dans la salle, c'est-à-dire l'écho, la réverbération, l'éloignement, ça lui donnait une autre manière de chanter que quand il cherchait tout près comment il pouvait chanter avec, avec Lola. Avant, il chantait pas avec Lola, Lola chantait tout seul. Non, Lola chantait tout seul. On croyait que sa voix était décalée en faisant l'écho. Et ça faisait bizarre en l'écoutant en fait. Voilà. Juvency, c'était comme l'écho de Lola. C'était sa seconde voix. Non, moi je dis, je dis plutôt que c'est Juvency. C'est Lola, l'écho de Juvency, puisque c'est Juvency qui a chanté en premier. Ah oui, mais alors il y a un problème, c'est qu'effectivement, normalement, l'écho, il vient après la source d'origine. Mais l'écho, on l'entend moins, et on l'entend loin. Et là, c'est un écho qui se fait avant. C'est un problème, ça. Ah, on inverse les choses, là. Bon, on avait... C'est comme si Lola chantait avant, mais on l'entendait pas, et après Juvency, c'était son écho. Mais on l'entendait pas au début. Comme si elle avait chanté, mais en fait elle n'avait pas chanté. Tu commences. Pas pour expliquer. Comme si c'était l'écho. Mais dans la chanson, elle ne chante pas, mais c'est comme si elle l'avait chanté. En fait. Ouais. Et après, Juvency, c'est l'écho. Il y en a un, ça serait Lise, et l'autre, ça serait Zoé, et puis elle s'appellerait. Ça peut être ça. Le deuxième, un petit peu après.
le troisième après le 1 et le 3 qui se croisent, etc. D'accord, on se vient tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On peut prendre des... Et vous regardez. Non, toi tu regardes, t'as pas à regarder. Tu regardes soit Clara, soit lui. Pour les cinq coups.